L'homme du jour par Patrice Carmoz. Ce sont des hommes ou des femmes aussi, enfin des jeunes. Ce sont les lycéens de terminale parce que voilà, il faut qu'ils pensent aux options du bac. Il va falloir choisir les options du bac. Et oui, déjà, donc c'est important les options du bac parce que vous pouvez gagner des on points. On peut gagner des points. Vous pouvez surtout pas en perdre. Quand on est en rattrapage. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités. On lit partout. Hein. Il y a un peu moins d'histoire, il y a un peu moins de matière de base, mais des options, il y en a. Alors, par exemple, si vous êtes à la montagne, qu'est-ce que vous pouvez choisir comme option? Le ski. Ouais. Vous pouvez choisir ski, ski de fond, ski alpin ou snowboard, mais pas que. Ah oui. Vous pouvez aussi choisir VTT. Une épreuve de VTT. Alors il y a parcours surtout si on passe le bac au mois de juin, il y a plus de chances d'avoir des prairies que d'avoir de la neige. C'est moins risqué. En Et tartiflette, même... on peut, non? Pardon. Tartiflette, vous n'essayez pas encore, mais ça va venir. Non, Tanguy, c'est pas une alors, discipline. Si vous êtes breton, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Voile. Oui, alors il y a la voile, il y a aussi évidemment la langue bretonne. Il y a 57 langues que vous pouvez choisir. Il y en a pas mal. Il y a par exemple le swahili. Qu'on parle en Tanzanie ou en Ouganda. Oui. Vous avez l'amharique, qui est parlé en Éthiopie, mais pas par tout le monde. Il faut avoir du temps. Le bambara, qui est parlé au Mali, le haoussa au Niger, vous avez aussi le laotien, le tamoul, le peul. Alors, évidemment, on peut parfaitement posséder ces langues, mais moi je propose. Mais est-ce qu'on trouve des examinateurs c'est pour ça. Je vous propose de vous inscrire, par exemple, en Haoussa, c'est où ça? Avec un peu de chance. Il n'y a pas le prof qui est bon, vous racontez n'importe quoi, vous avez 20 sur 20. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a Nelson Montfort qui maîtrise à peu près 20 ans, quand même. Oui, c'est vrai. Qui va faire le bac. Alors en Bretagne, alors, en plus du breton et tout ça, et vous avez le gourène. Vous savez ce que c'est le gourène? Non, ça se mange. C'est la lutte bretonne. La lutte bretonne. Prendre la lutte bretonne en option. C'est un peu compliqué. C'est plus compliqué le judo, et puis il y a des nombreux dons, hein, le lame, le costine. Alors, je sais qu'il faut avoir un pantalon noir un peu court et solide pour pratiquer le bourène. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce que je sais. En sport aussi, à Lyon, qu'est-ce qu'on peut pratiquer chez vous? Bah oui, mais je sais bien, mais moi je sais pas. La boule lyonnaise. La boule lyonnaise, c'est en option au bac, et on dit que ça favorise la concentration et l'effort de précision, ce qui n'est pas faux. À Marseille, c'est la pétanque, il n'y a pas encore le tir à vue. Mais c'est quand même la honte, le type. J'ai eu mon bac grâce à la boule lyonnaise. C'est vrai. Après, on s'étonne qu'ils ne trouvent pas de boulot. Si vous êtes au Pays Basque. Commencez pas à râler. Je l'ai fait un peu pour Joël, c'est lundi. Si vous êtes au Pays Basque, il y a évidemment la pelote, mais si vous êtes au Pays Basque et à Tahiti, vous savez quelle est l'option que vous pouvez prendre? Pareo. Il n'y a pas l'option par haut, c'est le surf. Le surf. Pas mal comme option. Des colliers de fleurs. Et alors, c'était aussi une option. Il faut trouver un requin qui vaille bien. Alors, une de celles que je préfère, c'est vous avez épreuve pêche à la ligne. Sans rire. Ouais, avec épreuve écrite et pratique, et notamment une épreuve au moulinet qui n'est pas facile. Non, mais franchement, c'est vrai ce que tu racontes. Absolument, oui, tout à fait. C'est ahurissant quand même. Vous savez que le bac, ça coûte très cher à la France. C'est un examen qui coûte très cher. Oui, parce que par exemple les langues, il y a que pour ça que tu l'as pas eu. Il y a pas plus de 20 personnes par exemple qui prennent des langues inconnues quoi. Donc il faut trouver des examinateurs. Oui. Etc. Ah, oui. Alors il y en a une qui est bien, c'est les arts du cirque. Là vous pouvez choisir acrobatie, jonglage, trapèze, équilibre, magie ou clown. Et là, ce que je me demande, c'est qui sont les profs qui font passer les profs de clown. On connaît un nez rouge, des gens sinistres. Faites-moi rire. Ah, oui. Donc c'est pas mal voilà. Donc on peut gagner beaucoup de points quand même. Enfin beaucoup, faut pas exagérer. C'est enfin, quelques points. C'est pour les épreuves de rattrapage. C'est ça. Oui. Pour la mention. Bon, mais merci Patrice, c'est passionnant. Ça donne envie de repasser le bac. Ouais. Hein, ouais. Bah, moi, je vais faire boule lyonnaise. Bon, voilà. Très bien. Vous avez le bac sans problème, non finalement. Non, moi, j'ai pas eu le bac. Jamais. Oui, j'ai même, j'ai eu le BEPC à l'oral de rattrapage la deuxième fois. Donc, c'est vous dire. Oui. Mais en fait, vous n'étiez pas fait pour. Au niveau de nullité. Et en même temps, vous dites les plus grands textes. Ah bah oui, mais c'est après. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Ouais. C'est qu'il faut beaucoup se méfier des résultats de l'éducation nationale. Faire gaffe, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut faire très attention. Ça me fait marrer parce que sur les 50... Mais au conservatoire, vous avez tous les prix. Vous avez raflé tous les prix. Ah oui, là, je me suis rattrapé. Ah, bah, prix d'excellence. Prix d'excellence, c'est rarissime. Parce que même Francis Perrin et François Huster n'ont pas eu le temps. Puisque il y a pas eu d'autres. Personnage, je l'adorais, Michel Duchaussouette et l'avant. Ah oui, merveilleux. C'était un magnifique acteur. Vous vous sentez en rivalité avec qui, vous, dans le métier? Mais surtout pas, moi je parle surtout pas en termes de rivalité. Quoi. C'est effrayant, toute cette compétition. Oui. C'est parce que premier, deux, enfin tout ça ne veut rien dire. Il n'y a plus d'ailleurs, maintenant on a supprimé les prix. Bah, ah oui, maintenant c'est fini. C'est fini. C'est complètement terminé. Comme ça, il y a eu un nivellement. Oui, enfin, ça peut se discuter. Non pas tellement les prix, mais surtout les
Il y a une solution à trouver qui n'est pas encore trouvée pour sortir de l'école du conservatoire. Il a dit une connerie, j'ai pas entendu. C'est pas les prix, c'est les tarifs. Ça me fait rire. C'est idiot, Régis, vous êtes idiot. Mais c'est vrai. Voilà, mais ça m'a fait rire. Je vous propose de marquer une petite pause et puis on va retrouver dans un instant les rumeurs du net qui concernent Jacques Weber, qui, je vous le rappelle, est sur la scène du théâtre Montparnasse.